Ben, vos collègues, ils ont porté leur boulot. Parce que s'ils avaient fait le cordon, en disant je pense plutôt qu'il y a un groupe qui a tenté de forcer et qui est descendu de trois. Bon, mais ça ne justifie pas la violence. C'est ce qui s'est passé. Nous, on a vu du monde revenir de cette rue, en fait, ça a porté confusion. Gamin, là, on s'est dit, ils se sont trompés de parcours. Bah ouais, et tout le monde nous disait, ouais, c'est par l'autre côté. Ouais. Donc, il y a eu un problème. On est venu chercher tout le monde. Après, les interpellations qu'il y a eu, elles sont sûrement. Là, pour le coup, il y a des gens qui sont masqués. Il y a des gens qui jettent des projectiles, ils doivent être interpellés, c'est normal. Et un dérapage comme ça amène tous les excès. C'est pas un dérapage. C'est pas un dérapage. Ça veut dire que le balisage aurait dû être mieux fait quand même, chef. On se connaît. Oui, on a déjà jamais de problème. Vous savez que je vous raconte pas n'importe quoi. Ça m'étonne de votre part. Interpellation, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, hein. Qui a commencé, c'est pas ça la question. Mais aujourd'hui, il y a on jette pas de projectiles, on participe pas à une manifestation en étant masqué, c'est tout. Pour le reste, encore une fois, vous êtes tous masqués. Bah oui, vous êtes tous masqués. Non, mais regardez vos gars, monsieur, regardez la jambe, regardez si c'est la loi, regardez. Vous êtes masqués, il n'y a pas les numéros de. Il n'y a pas le RIO, il y en a, ils n'ont pas le RIO. Voilà, pas le RIO, oui. On vous connaît, vous, on sait, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes un. Ne criez pas, ne criez pas. Ce qui serait bien, c'est que le cortège reprenne sa marche tranquillement. Oui, on va se réorganiser. Oui, on va se repositionner. La direction, c'est par là. Monsieur, l'organisatrice est justement là. Une distance d'au moins 40 ou 50 mètres. Ce ne soit pas le contact. Moi, je suis en flanc gardage. Je ne suis pas en tête de toute façon. Mais donnez la consigne à vos collègues qu'ils soient. Ils nous laissent 50 mètres devant. Il faut que le cortège se retourne. Parce que dès qu'il y a le contact, ça provoque. Il n'y a pas de contact. Il y avait une distance. Oui, mais la distance, c'est laquelle? Je ne sais pas 5 mètres. Parce que si c'est comme ça, les mecs, donc, il n'y a pas mieux que ça s'excite, vous êtes là pour manifester. Bah voilà, ouais, comme d'habitude. Alors, non violent. Donc tout va bien. Donc il faut que ça se réorganise et que ça se réoriente par la rue de la Colère en direction de toute famille. Pas de problème, mais prenez un peu d'avance. Quand tout le monde sera regroupé, on réouvrira pour que tout le monde passe, mais il ne faut pas que ça refoule dans ce sens-là. Donc expliquez aux gens que tout. Le résidu de le reliquat de la poule qui est derrière doit s'avancer dans la rue d'Avec Collet pour aller en direction du quai de Vannes. C'est bien bouché là-bas. Donc faut empêcher de descendre. Donc le reliquat des gens, et de toute façon ça créera l'aspi. Les gens viendront. Ils sont là-bas. Le reliquat est là-bas. Non, il est là-bas. C'est le reliquat qui est là-bas. Les nôtres. C'est l'idée. Le fond de cul. On ouvrira et vous pourrez continuer par la rue des Récollets parce que c'est le trajet. C'est le trajet. Le problème, c'est qu'il y a un groupe qui a tenté de passer là-bas et effectivement, ça a désorganisé complètement. Donc, on fiche 5 minutes, tout le monde se regroupe et on pourra continuer vers la rue des Récollets. S'il vous plaît. Alors, en mémoire de cela, pour la nouvelle année. Ah bah oui. Mais, on fait une photo par semaine ensemble. Bah oui, mais c'est la meilleure, celle-là. Je sais pas. Hein, elle est bonne, celle-là. On va m'en envoyer de temps en temps. Non. On fera la production. On fera le diaporama. Voilà. Donc, demandez aux gens qui sont coupés ici. Allez, on y va, on va leur dire. On dit quoi, arrête, Mao, putain. Donc, ils se regroupent pour qu'on puisse passer. Ah, cool.